Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est au motocross de Warsage à la VMCF parce qu'à la MPL il n'y avait pas d'organisation ce week-end. Donc au lieu d'aller à l'entraînement comme ça, ben, on a décidé de faire une course. En plus on est pas trop loin de la maison et il y a quand même pas mal de gens de la MPL qui roulent. Ils ont même fait une catégorie rien que pour les pilotes à MPL. Mais par contre il a fort draché et c'est bien la pape. C'est dégueulasse, ouais. C'est la pâte. Regarde, je suis. Il y a de la boue partout. Donc ici, on va aller s'inscrire. Puis on va regarder pour se garer. On ne sait pas encore si on va savoir se garer avec les autres ou pas. Parce que le parking est un peu impraticable. Oh, putain, oh. Madame a encore mal du week-end passé. Fais attention ici. Ah ouais, mais tu m'as saisi. Du coup, je me suis crispée. Hein. Oh. Ça te fait rire, toi? Ben non, t'as pas vu l'autre, il a failli se manger là. Ils ont débarqué du bas, ça sert à rien. Ça va, hein? Les inscriptions sont retardées. Ouais. À 20h45 ou 20h30? Sérieux? 20h30, ouais. Parking visiteur. Là, c'est tout plat, il y a personne. Bah, on est garé là. On est garé là au-dessus. Et franchement, c'est nickel. Parking auto. On est arrivé, c'est le bouton. Mais vous êtes déjà installé et tout, vous? Ouais, ouais. Attends, on sait se mettre près de vous ou pas? Je sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés entre temps, mais. Enfin, nous on est bien amis là où on est. Hein. Il faudrait qu'il le pique, tu vois. Non, dernière, ça tu sais pas, hein, avec la boue là. Oh, ça va sécher. Bah là il y a du soleil donc il faudrait qu'il y ait du vent. Demain, donc. Ils annoncent rien pour la nuit. À mon avis, les entraînements ça va être un peu cata. Bah, après ça va aller. Là. Et après les manches ça va être top. Oula. Bon. On fait tout ça quand même. Mec. C'est normal. Ah non, de Dieu! Généralement, c'est celui qui dit qu'il est là. Hein, Phil? C'est le bordel, on est plein mes couilles. Bah, moi, je crois que je vais rester garé en haut, tu sais. Ben, on ne devait pas être ici, on devait être là. Parce qu'en temps normal, du mobile home là, jusque le mobile home là, toute la boîte là, sur 20 mètres, c'est pour nous. Eux, ils veulent plus partir. Ils partent plus. Ah. Donc, soit vous venez, vous mettez devant en ligne, ou vous mettez en face. Mais. À la base, mais c'était à toi, je disais bonjour, ils m'ont tous fait. À ta place, la sortie, elle est là. Ouais, mais je suis garé en haut. Ah, mais là, t'es en haut, c'est pareil, hein. Parce qu'en haut, ils ont pas voulu nous laisser descendre, tu vois. Il voulait pas nous laisser descendre parce qu'il dit on fait remonter les gens et il dit c'est le bordel, garde-toi là, attends une heure ou deux, tu verras après. Mais je vais pas attendre 9h au soir pour venir m'installer. Ah non, quoi. Ah non. Lucas il est garé au-dessus aussi. Ouais. Moi je reste au-dessus, okay. Je suis dans la prairie. Là, bah ouais, il va rester au-dessus. Mais c'est nickel la prairie, tu roules comme tu veux, c'est comme ici quoi. Oui. Et nous on a poussé, toute la boîte là on a poussé tout. Parce que pour la sortie c'est pas facile hein, pour tourner là dans le bazar. Tu aurais pas, faut pas tourner, nous on va aller par là, on va sortir là. Et là, tu fais droite et là tu arrives vraiment en oblique, tu arrives sur le chemin de terre. Ouais, le circuit. Tu sais pas s'ils font au circuit, ils le piquent. Ça te dit. Ben moi je préfère qu'il le bique qu'il le racle. Ouais, hein. Mais biquer comme ça là. Et c'est biqué, il bique l'artillerie. Le tracteur. Tu racles dessus demain, c'est patinoire. Hein. Mais je préfère que ce soit patinoire que biquer là-dessus. Tu racles et puis tu donnes le coup de bique. Ouais. Hein. Il sera sec. Hein. Mais là il racle comme de la boue. Et là sur le circuit il y avait ça. Ah ouais, ça doit être profond là. Hein, mec. Là, c'est profond. Là, et en plus le bique il est à fond et c'est un gros bique. Hein. Je vais prendre mon pneu sable. C'est. Content d'avoir mal ma côte et de pas rouler. Ne fais pas rire, Philippe. Anis, ça l'attend là-bas pour prendre les licences. Je suis même pas. J'ai bien envie de lui saluer pour dire prends pas la mienne. Oh, bon, arrête, ouais, t'es là. C'est que 5 euros, Phil. 15. Vraiment, c'est 5 qu'on est licencié. Mais c'est à quelle heure les inscriptions? 8h30. Et il est quelle heure là? Même pas dans 8h. 50 tout bon. 7h50. Ouais, il est 17h53. Ouais. Moi, je vais en bas. Hein. Au pire, donne-moi ta licence et les sous. Et ouais. Moi, je vais aller installer. Tu vois, à partir du gros tas de terre là, ouais, jusque le chapiteau bleu, mettez des crampons de football. Hein, ah, mais Logan, toi tu passes pas. Toi Logan, je te garantis, tu passes pas. Les crampons de football, on les a. Logan, pas. Logan, il va pas passer. Et en plus, t'as pas vu tantôt? Et puis,
y a un peu d'organisation, un mec qui parle un peu allemand, il parle avec une bonne femme. Et la bonne femme. Philippe. C'est une bonne, hein. Une bonne. Et on dit, tiens, 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 et l'autre il dit, ouais. Celui du comité, il avait bu un verre. Et à un moment donné, toi qui fais ça, il prend la bonne femme. Il la prend comme il faut, tu vois. Et puis il commence à marcher. Oh, il est arrivé à la moitié, tous les deux. Non. Arrête. Et la bonne femme était bien habillée. Ah ouais, noir, repeinte. Oh misère. Allez, dans ma... J'ai pas eu lieu, tu veux pas aller la porte à ta place. Moi j'aurais pas glissé avec mes bottes et mes crampons. Et j'aurais pris même tout le monde, toi. J'aurais mis. Il va pas arriver en bas. Si, il sera plus vite en bas qu'en haut. Hein. Tantôt, il y a deux BM. Deux BM à fond tripteur. Il y en a une qui s'est arrêtée contre une caravane. Oh, arrête. C'est ça qu'elle est rentrée. C'est ça qu'elle est rentrée. Elle était visée par choc de la caravane. Non. Ils vont finir en bas. Non, ils vont les laisser là, ils vont continuer à pied. Hé, c'est pas là, les gars. Vous êtes fous, vous. Mettez-la dans l'air pour moi. Hein. Ah, il me semblait bien que j'entendais crier, moi. Hé, on est garé avec ton boss, nous. Oh. Gadaï. Hé, Jo. Ça va, Sousa? Ça va, et toi? Oui. Pas, vous descendez pas? Non. Bah, ils veulent pas nous laisser descendre. Ouais, en plus, il y a de la place, là. Ouais, mais ils veulent attendre que les gens remontent. Ouais. Pour pas qu'on descende et qu'on encombre. Ouais. Et t'as rien déplié. Ça me perturbe, c'est un cheveu, là, quelque part. Non, tu l'as plus. Non, je ne te toucherai pas. De je viens déjà de me faire draguer par une vieille au chapiteau. Enlève je son suis... cheveu. Ouais, Dan, là aussi. Là. Ouais, t'exagères. À mon avis, ouais, t'as été trouver une femme, toi. Ouais. Vous habitez où, qu'elle m'a dit? Allez. Allez. Arrête. Ah, je raconte à Nana, elle rigole. Elle était déjà remplie dans tous les sens. Hein. De quoi? Il a dit, j'ai plus rien à remplir. Elle n'a plus rien à remplir, elle était déjà pleine. Mais par contre, c'est pas un bon procès. De quoi? Do you speak English? Oh, je sais pas, ou ni comme poupon de next bottle, mais. Tu lui dis, do you fuck my bitch? Et il a dit, good. Eh ben, good. Ben, regarde, il y en a qui s'en vont encore. Bah, ouais, je sais bien. Moi, je me suis dit, putain, il a filmé aujourd'hui, je me dis, j'espère qu'il me file, et puis je vois passer, je dis, yes! Ah, oui, je me dis, il dit, ah, et là, voilà, aujourd'hui. Et quelques autres potes ici. Et moi je suis dedans. Ouais, mais je sais pas dire le nom de tout le monde, hein, mec. Si. Là y'a rien, là y'a rien. Ben, je l'ai dit ton nom, non? J'ai 2000 followers sur TikTok. Quand je dis mon nom, ça va suivre. Je t'ai dit. j'ai dit les deux Adri, non? Oui. Ouais. Parce hein. qu'il y a l'autre Adri, oh. Sinon tu l'aurais pas dit. C'est vrai ça. On va quand même essayer d'aller se garer près des potes. S'ils nous laissent descendre. Parce qu'il y a un chemin, qui longe les parkings et normalement on devrait savoir passer. Demain, on va sûrement rouler dans la boue, les gars. Il aime bien la boue. Non, j'aime pas la boue. Si, t'aimes bien la boue. Je vais aller prendre le pneu sable. Ouais. Je me le suis dit en plus, c'est pas une montée. Bah, fallait le prendre. Bah voilà, on a 6 mètres. On est dans un trou de souris, mais on est avec les potes au moins. Par là, il y a Dan, il y a Phil, il y a tout le monde. Et nous, on s'est mis ici, hein, avec notre petite caravane. D'ailleurs, je t'ai pas encore montré notre caravane. Ici, on a un lit d'une personne, ça c'est le lit de Logan. Ici, il y a aussi un lit d'une personne, mais c'est plutôt pour un enfant, donc nous, on s'en sert pas. Là devant, c'est le lit de personnes, c'est le mien et celui de Cindy. Alors ici en dessous, on a... Je vais te montrer comme ça, tu vois. Ici en dessous, on a les tacs de cuisson. Donc ça, on le relève comme ça. On le met là, celui-ci on le met là comme ça, donc là on a nos tacs avec deux becs. Ici pareil, l'évier avec le robinet. Et alors ici on a nos petits WC. Et on peut se laver ici, on peut prendre une douche si on veut. Donc ça c'est une caravane que j'ai depuis des années, c'était la caravane de mon père. Il y a bien 15 ans qu'elle est dans la famille. Et quand mon père est décédé, j'ai jamais retrouvé les papiers de la caravane. Alors on a dû faire une déclaration de perte, machin. Et comme mon père, lui, il l'avait pas encore immatriculé, j'ai dû redemander à l'ancien propriétaire pour faire la déclaration. Soit, je passe les détails.
Et puis moi j'ai dû passer le permis le B pour pouvoir la tracter. Donc j'ai fait ça l'hiver passé. Bon ben on va finir de s'installer, on va manger, on va aller s'inscrire parce que ça c'est pas encore fait. Ils ont repoussé les heures des inscriptions parce qu'apparemment les manches ça a duré plus longtemps avec la boue. Donc on va regarder pour se mettre en ordre. Allez. J'ai une vidéo de mon téléphone où je vire ici, je suis en tête. Ouais. Et on entend le speaker qui. En quatrième position, les 5. C'est dommage hein, qu'il a plu. C'est pas un circuit pour rouler dans la boue. Hein. Regarde où ils vont virer là, à côté du saut. On n'a jamais été viré aussi loin. Hey, quand il a commencé à pleuvoir, il roulait, c'était de l'eau, tu vois. Ouais. Ça, les motos n'étaient même pas ça là. Et là c'est mou, hein, mec. Et là-bas c'est mou. Hein. On irait pas à l'OMEL. Non. Tu aurais eu plus de chance d'aller en Finlande. Là tu prends un gras des piquets. Non, regarde là-bas. Ouais mais de ce côté là alors. Gras des piquets là. Ouais mais il faut tourner en l'air. Hein. Non, ça, c'est pas dur. C'est pas dur mais. Tu montes la panard. Mon avis ça c'est pas. Mais tu tournes là. Ça. Et il ferait un plus ou pas et qu'ils font la ligne droite. Rien. Parce que le virage là ça va, tu vois. Tu coupes au milieu, tu vas à l'extérieur, tu recoupes, tu te mets droite, tu ouvres, tu montes. Benard. Ici aussi, tu serais bien passé. Il y a encore un beau coucher de soleil. Hein. Ah, je ne fais pas des pays de main, on roule 10 minutes, c'est comme un débutant. On roule 10 minutes seulement. Ouais. Ah, c'est bien, il n'en faut pas plus. 10 minutes sur le panneau. Parce que Irak, là, je me suis dit, c'est impossible. Ouais, s'il pouvait racler, c'est top. C'est déjà fini. Ouais. C'est impossible, il y a un souci là, on roule 11 minutes. Il y a quoi? En fait, le mec, il a déjà changé le panneau, il est hors de tout. Il y a combien de catégories qui roulent avant nous? Comme beaucoup. Hein. Non, ça commence à 7h45. Déjà à 7h45, les espoirs roulent. Ouais, il y a une heure. Ça va, il y aura des traces. Faut pas qu'il pleure, quoi. Lui, c'est sûr que c'est dans les dormir. Non, c'est trop fou. Bah, tu viens dedans, tu viens debout dedans sur l'arrière, puis dès que tu vires, tu t'assis, tu mets. Bah, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont faire parce que si on monte là, demain je monte pas. Et c'est long, hein? C'est long, hein? Bah, non. T'es dedans et t'en ressors pas jusqu'à. Elle est longue et pas très bien en plus. Mais tu ressors au milieu? Ouais, elles font 3-4 fois là. Limite, ça jusqu'à ça, c'est bien, mais un deuxième là. Ouais. Parce que là tu prends le pneu avec ton guidon. Hein. Non, tu viens à l'arrière. Ouais, je pense pas là. Ouais, non. T'as pas viré. Moi, tu veux que je vire là-dedans, enfin, même plus mes mollets. Oh, même plus mes mollets quand tu vis. Bébé, t'es pas capable, tu te lances à plein ventre là-bas. Ouais. T'es fou, j'ai un t-shirt blanc. C'est pas grave. Mais il sera noir. Bouge là. J'ai un t-shirt blanc, c'est un nouveau short. Bouge là et tu te lances à plein ventre. Vas-y, toi. Eh ben, tu le fais, je le fais. Ça donne 10 balles. T'es fou, je vais pas là-dedans. 15. Même pas. J'augmente, toi. Ouais, bien sûr, ils vont s'acheter deux t-shirts Jack and Jones. Non, mais ça, Lulu, tu viens debout. Hein. Debout de l'eau. Oh, j'ai pas à rescours. Et t'es parti.
Bon, il a toujours été comme ça, hein, Quentin. Ouais, bon, on faisait le long. Hein, ouais, on faisait le long, ouais. On sortait là. À la limite, je préfère comme ça. Tu crois? Bah, ça freine plus fort. Hein. On est dans la pop, mon gars. Ah ouais, mais ça. On verrait bien le long. Hein. Ça, mon copain. Le pneu sable. Hein. Ouais, là-dedans, ouais, pneu sable, ça aurait été bon. En plus, c'est quoi? Je me suis dit, je vais prendre ma jambe. J'ai failli monter le pneu, mais. J'ai une jambe prête. Je vais prendre ma jambe. Bah, moi aussi, j'étais dans la pneu. Bah, non, elle pleuvra pas et tout. Au fond, comment ici? Comme voilà. Ça. Ah, on vient de là, en fait. Ouais. Ouais. Putain, moi, je suis pas le terrain. Je me disais, tiens, pourquoi on vire comme ça et on vire comme ça? Non. Tu viens de là au départ, go. Tu viens ici, tu vas là, t'as gauche-droite, puis tu descends la première descente là-bas. L'ornière elle est mal faite à mort alors. Bah non, c'est l'accélération hein, ça. Ouais. Mathéo, tu vas tomber. C'est comme en moto, plus tu vas vite, au mieux ça passe. Alors ça plaque hein. Je vais repasser en montant là. Bon, on va aller manger et on va passer une petite soirée sympathique et puis on va aller faire dodo. Je sais pas si c'est l'organisation ou si c'est des gens dans le parking, mais on a droit à un petit feu d'artifice. Hey, j'aurais pu attendre qu'il fasse noir. Hein. Ben voilà, j'ai pas super bien dormi là. Il a plu pendant la nuit, donc avec le bruit sur la caravane, c'est pas facile de dormir. Je vais aller voir un peu le circuit, voir si c'est pas trop la merde. Je suis en train de m'habiller pour aller prendre les entraînements. Le circuit c'est une catastrophe. J'ai pas bien dormi en plus parce qu'il a plu pendant une bonne partie de la nuit et tellement il pleuvait fort avec le bruit sur la caravane ça me réveillait. Donc j'espère que ça va aller. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont attendu ce matin pour biquer le circuit, mais en biquant dans la boue bah, ça fait des ouais, mottes, des trucs de fou. Donc là, le circuit c'est carnage. C'est bien, mon chat, t'as mis tes chaussures dans la boîte. Bah ouais. Thank you.
chaque fois la montée, là, j'ai foiré. Ouais, j'ai vu, j'étais juste à côté, tu t'es cassé la gueule. Mais je savais pas prendre de l'élan. Hein, bah oui, il y en avait un dans la descente. Oh. Ça c'est longtemps, putain! Ouais, ça ouais! Quoi? Ça ouais! Moi, là, il était au sol dans le virage, il était au sol à l'extérieur. Je vais à l'intérieur, j'ouvre la fête. Oh! Oh! Oh putain! Salut le gars! Il a l'air tati la moto! Mais. Oh, s'ils font rien, il n'y aura qu'une trace! Hein. Ouais! Ah, la moto elle m'a tombé sur la hanche, mais pas le pont plus en rond là. Oh, ben voilà, ça s'est pas mal passé, tout compte fait. Hein? Il y a Logan, lui, il se prend une gamelle, à mon avis, on va le voir sur la GoPro. Génial, j'ai pas un tout. Allez. Moi aussi. Je suis arrivé en retard déjà. Bon, là, on va laver un peu parce que les motos là, c'est carnage. Et j'espère qu'ils vont refaire un peu le circuit. Parce que sinon c'est vraiment monotrace, à part dans certains virages il y a plusieurs ornières, mais sinon les lignes droites et tout, c'est faut pas sortir la trace sèche parce que sinon t'es mort. Le repos du guerrier. Thank you.
J'ai eu peur, hein. Mais j'étais 5, puis j'ai calé, puis tu m'as passé. Ouais. Il était 5. Quand je l'ai vu là en bas. En plus, l'autre, il est tombé. T'as su passer aussi ou pas? Ouais, mais il me repasse. Mais il va plus voir. Hein. Le premier, il a 16 ans. On va aller sur le chapiteau alors. C'est peut-être deux. Le premier, on m'a dit qu'il a 16 ans. T'as bien roulé, mon chat. J'allais pas faire ça. Ouais, t'as bien roulé quand même. Mathéo. Tu te profilais beaucoup mieux que les autres à certains endroits. Hein? Dis que tu te profilais beaucoup mieux que les autres. Bon, on y va. Bon, le gars, c'est pas grave. Hein. Votre ressenti, monsieur, sur cette première manche? Je me suis bien amusé. Mais le circuit, les trajectoires, ça va vraiment dans tous les sens. C'est pas facile, quoi. Mais bon, je fais 7, je crois. Ouais, je t'ai compté 5, t'étais bien, 5. Ouais, j'étais 5 et puis je cale comme une merde là et je perds 2 places. Et voilà, je me bats pour garder la 7ème place. Ouais, c'est bien, t'as bien roulé. C'est bien. Et Lolo? T'es frustré là. T'es frustré? Ouais. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que Logan est tombé au premier virage, au départ. Et t'as fait quoi? T'as perdu l'avant ou quoi? Ouais, j'ai commencé à glisser et l'autre il est venu et... Ah, je t'ai vu faire un roulé-boulé au sol, je me suis dit why. Moi aussi ça s'est touché au départ. Pas celui à côté de moi je crois, mais celui juste à côté, il sort mieux que celui qui est à côté de moi et il glisse et il vient me toucher, tu vois. Il faut bien que j'ai de la force et du poids pour le retenir parce que sinon il me pousse. Lui il a bien roulé. Moi j'ai démarré, ouais. J'ai fait ça, j'ai vu qu'il se passait devant tout le monde et j'ai fait comme ça. Bon ben, bien roulé les gars, franchement. Ouais, c'est chouette hein. Ça a l'air d'être bien le circuit, vous allez l'air de vous amuser. Ouais, ça change. Qu'est-ce que ça? Boire un coup? On va boire un coup, qu'il a dit, donc on va boire un coup. À chaud, monsieur. Bon, je me suis bien amusé. Ça a été. Fait une belle bagarre avec Dan. Belle bagarre avec Logan aussi. Je fais quoi? 6. 6? Ouais. 6 et Logan 7, ou alors 7 et Logan 8, un des deux. Ouais. L'un ou l'autre. Ouais, non, c'était cool. Ça change de rouler un peu ces circuits défoncés. Ouais, top. Si tu t'es amusé, c'est bien. Hein. Mais voir à Lolo. Et quoi, Bit? Ouais. Votre ressenti de cette deuxième manche, monsieur? J'ai bobo. T'as bobo ou t'as pas mal ta gueule? Parce que celle-là, elle va bien. Faut pouvoir mettre la moto sur la table, sur le pied. On va directement la rentrer. Hein. Ma poche, mon chat. Mec, sur le premier... La cuvette, quand tu remontes... J'étais un mec à la fin. J'ai essayé de casser un peu, tu vois. Et j'ai plus juste dans la toile. Bon, départ de merde, j'ai fait un départ de merde. J'étais plein à la vitesse, mec. Des fois, je dirais en 4, mec. Bon, que... bon, on perd des bois. On va te ranger. Ouais. On va ranger. Bon, j'espère que j'ai la totalité de la deuxième manche parce que bah, la caméra est éteinte. Ouais, elle s'est coupée parce que on est tombé en panne avec le groupe. Et donc j'ai pas su mettre charger les batteries de la GoPro, ici on a un tout petit peu de batterie dans celle-là. Donc j'espère que j'ai au moins une grosse partie de la manche. Je crois qu'il reste 45%. Ouais. Et si cette vidéo t'a plu et que t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Et un petit pouce bleu. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.